Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette guidance du 5 avril. Alors je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos likes. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. En espérant que mes guidances vous plaisent. Donc, on fait comme d'habitude le tarot en énergie. Alors, c'est un autre tarot que j'ai pris. Alors, les arcanes majeures, toujours. Hein. Et puis, le petit nœud normand et les messages. Allez, c'est parti pour ce 5 avril. Le pendu. On a déjà eu plusieurs fois le pendu. La réflexion et l'amoureux, le choix. Alors, on doit réfléchir sur un choix. Ah, plusieurs possibilités s'offrent à nous et il faudra faire le bon choix, justement. Alors, quel sera ce choix? Allez, le choix sur quoi? C'est parti pour ce 4. Le pendu, c'est le lâcher prise. La zénitude. Pour ce 5. Je sais pas, j'ai dit. Ouais, c'est 5. Sur le 5 avril. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Sur ce 5 avril, 9-4. Six. Allez, 7. On va partir un peu plus par là. Allez, 7, 8. Et celle-ci, ça fera la 9e. Voilà. Alors, les cartes, on les voit tous bien. Alors, l'amoureux pour le choix, le pendu pour la réflexion, le lâcher prise, la zénitude. Et en dos, nous avons le courrier, la clé, l'homme, l'institution, le soleil. Bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Alors, nous avons la clé là. Donc, nous avons quand même la solution et le soleil. Bon. Avec un courrier, un choix à faire. Je ne sais pas pourquoi je le retourne, c'est comme ça. Alors, en centre, l'amitié avec le chien. L'amitié, ça peut être l'amant, l'amante aussi. Les nuages. Nuages. Coucou, avec le temps. Le bouquet. Bien, la surprise. Bonne surprise. Le livre fermé. Peut-être des secrets. Ah bon, ça, je l'ai déjà fait. Après, le serpent. Il y avait longtemps. Alors, après, la croix. Ouyou. Donc, il y a peut-être eu des souffrances, de la tristesse, des fardeaux. La santé, l'ancrage et la maison. Le chez-soi. La famille, alors les nuages, la maison, c'est la sincérité aussi, la fidélité. Alors, quelque chose de fidèle, une maison, des gens, la jalousie, le bien-être, le courrier, peut-être un bon courrier justement, le temps. Qu'est-ce qui ressort dans cette guidance? Il y a une fidélité. Il y a un fardeau qui est loin maintenant, qui s'en va. Ou une tristesse qui s'en va. Parce qu'on a quand même le bouquet qui réjouit,
qui est dans le bon, va dans le bon sens, dans la gaieté, dans... Donc avec ce fardeau-là, je pense que ce fardeau est loin maintenant. C'est une éclaircie d'une situation familiale, peut-être. Il y a eu peut-être des jalousies. Pourquoi le courrier et pourquoi le livre? Un secret. Secret de famille avec la maison. Une santé qui n'était peut-être pas bonne. Il y a plusieurs possibilités. Alors, on va prendre l'autre pour avoir. Alors, il faut faire un choix. Il ne faut pas oublier que la coupe, c'est l'amoureux et le pendu. Alors, il faut faire un choix. Alors, je vois pas le choix là-dedans. Dans cette guidance, le choix, c'est quoi? Le choix de laisser tomber enfin, justement ce fardeau pour aller vers le mieux. La clé, la solution qui vient de tomber, enfin, qui vient de se retourner. On est à la solution, on l'a avait là. Donc on va trouver la solution, une bonne solution qui va faire une belle réussite. Est-ce qu'on avait quoi ici? Ah oui, le soleil, c'est ça. Il y avait l'homme en dessous. La solution va être, nous être apportée par un courrier. Mais la solution à quoi? Parce que le choix, avec le choix, alors les nuages, on a le choix de faire quoi? Ah, les voyages, lointain, le changement, l'heure, est-ce qu'il est l'heure de partir maintenant ou pas? La maison aussi. La maison, le domicile. La lettre aussi sur le. Donc, c'est bien la lettre hein, qui est de bon augure. C'est un bon courrier qu'on reçoit. C'est quelqu'un de familier, de sincère. L'ancrage avec le livre. Alors, l'opportunité d'avoir quelqu'un de bien à côté de soi. La maison, l'opportunité. Sur le serpent, c'est la femme. Ah, peut-être une femme autour de vous qui vaut peut-être pas du bien. Peut-être des cancans, de la jalousie. La croix. Ah, sur la croix, il y a bah, peut-être une personne influente. La croix, c'est aussi avoir la foi. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'église ou de ce genre-là. Parce que c'est aussi la foi, une personne influente avec la. Ouais, je vois un prêtre, un curé ou quelqu'un qui est plutôt dans la religion. Un écrit, un bel écrit. Soutien par des amis, une opportunité par des amis et un soutien de foi, soutien, ouais. De l'église ou une religion. Le bouquet aussi sur l'arbre. Donc ça, c'est la santé ou l'ancrage, un bel ancrage. Donc la famille, le temps avec la famille. Peut-être que le temps va arranger les choses sur quelque chose qui s'est passé, qui vous a miné, qui vous a embêté. Le chien sur la maison qui revient. Une fidélité qui est dans une maison familiale ou dans son propre foyer. Et ah, ouais, le serpent. Le couple, les discussions avec le monde, le retard, le blocage, les discussions qui bloquent par rapport à des gens qui sont jaloux de vous. Alors, le choix de quoi? Peut-être de choisir tout simplement ces relations, hein, entre méchantes relations, relations qu'on croit être positives et qui ne le sont pas, et vraiment l'amitié, le vrai amitié. Entre le changement, l'amitié et changer l'amitié. Mais je pense pas que ce soit un changement d'amitié. Peut-être un changement de faire confiance. Faire confiance à certaines personnes et pas à d'autres. Et peut-être c'est un courrier qui va vous aider à faire le choix. Parce que le choix, c'était la solution et le soleil. Et il y a l'homme là aussi. Donc une personne au milieu de tout ça. Faire le choix entre la bonne et la mauvaise personne, peut-être. Moi, je pense que c'est ça.
Parce que, et quelqu'un de proche de vous, puisque la maison est ressortie quand même deux fois. Hein. Et voir aussi avec cet homme d'église, il y a quelque chose avec cet homme d'église, ou femme d'église, hein, je dis homme, mais c'est une personne influente. Qui est, alors soit c'est le fardeau, mais avec la personne, je pense que c'est plutôt profession de foi, c'est quelqu'un qui est dans la croyance, dans les religions. Le courrier, pour moi c'est ça, ça doit être un choix à faire entre une personne, entre deux personnes, soit une personne que vous croyez bien et qui derrière vous n'est pas très bien du tout, il y a la jalousie, il y a le mensonge, et la personne justement à qui il faut faire confiance, c'est plutôt une grande amitié ou une amitié de longue date. Moi, je vois ça comme ça. Parce que sinon, ils ne parlent pas d'autre chose. Il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment autre. Le livre, peut-être un secret qui est bien ancré, qui est bien profond, qui est bien, bien stable et qui ne sortira pas. Donc, avec le temps. Le temps et la maison. Moi, je pense que ce secret, peut-être, est de longue date. Et peut-être se confier peut-être à quelqu'un de religion, hein, de religieux. Moi, je vois ça comme ça. Alors, donc, je ne sais pas si ça vous parle, parce que c'est quand même assez pointu, on va dire, cette guidance. Je vais voir avec les heures miroirs ce qu'il dit, si ça appuie pour ce 5. Alors, ce 5, c'est un petit peu flou, hein, ce 5 avril. Hein. C'est un choix à faire. Avec entre deux personnes ou plusieurs personnes, mais moi je pense qu'il y en a deux. Il y a la personne vraiment d'amitié de longue date, on avait vraiment confiance, et il y a des opportunités avec cette personne, et il y a une autre personne qu'il faut se méfier. Alors peut-être un homme ou une femme de ça, remettre à Dieu ou avoir la foi, comme on dit. Avoir une question et se dire, on va prier tous les cinq qu'on connaît. Ça se pourrait aussi. Allez, pour ce 5 avril, s'il vous plaît. Allez, hop, c'est quoi la sortie de route? Oh. Et il y en a une qui a voulu sortir, c'est la confiance. Et en dos, la liberté. Alors, on va tout lire. Donc, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Et alors, là, par là, le choix là-dedans, je ne sais pas. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Bon, ben voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est une guidance donc de choix. Alors, pour moi, je ne sais pas si le choix de personne ou le choix de... Pour moi, c'est personne. Hein, parce qu'il y a l'amitié qui est ressortie deux fois. La femme, une fois, et elle a un homme tout à l'heure dans le dos du deck. Donc, bon, pour moi, c'est ça. C'est un choix de personne. Faites attention à qui vous... Peut-être secret. Hein. Le secret est bien gardé. Donc, ne divulguez pas peut-être à certaines personnes certaines choses. Et puis, ben... Je vous remercie donc pour vos abonnements. Et puis, je vous dis à demain. Une bonne journée. Au revoir.